Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce troisième numéro de Nature et Jardin, votre chaîne YouTube qui vous parle de nature, de jardin, au fil des saisons. Je voulais vous parler aujourd'hui des miscanthus, ces graminées ébouriffées qui amènent un feuillage très énergique et une belle présence dans vos massifs. Ces plantes sont parfaites pour animer des taupières comme ici avec ce cône de houx, mais aussi pour créer des fonds d'écran au jardin et permettre à des plantes plus claires en premier plan de ressortir. Les miscanthus sont faciles à vivre et préfèrent un sol lourd et argileux. Ils résistent à moins 25 degrés et offrent à l'automne des contrastes saisissants comme ici avec les érables viridis. Leur floraison intervient fin septembre, début octobre, sous forme d'épilés, pourpre, blanc ou rose selon les variétés. Ils s'accordent à merveille avec les dernières vivaces de l'automne. Vous découvrez ici une belle association de miscanthus et de Cercis forespansii. Les feuillages de ces graminées sont de vrais attrape-lumière. Ils apportent dans votre jardin des points lumineux là où vous décidez de les installer. Selon les variétés, les miscanthus proposent des hauteurs différentes allant de 20 cm pour la variété gnome jusqu'à 4 mètres avec giganteus. Décoratifs durant tout l'hiver, les miscanthus se rabattent au mois de février et peuvent être broyés pour fournir un copeau de qualité. Parce qu'il est important de dresser des verticales au jardin, je voulais vous présenter cette nouvelle clématite qui est à planter au jardin dans les semaines à venir. Cette nouvelle pépite végétale est une obtention de la maison Javois Plantes, obtenteur et collectionneur de clématites et autres grimpantes dans le pays orléanais. Cette clématite Sugar Sweet fleurit fin avril et début mai. Les premiers boutons floraux apparaissent au pied de la plante, puis progressivement vont remonter pour créer une véritable guirlande florale. Ici, je l'ai installée sur le tronc d'un pin qui présente des anfractuosités permettant à cette clématite de s'agripper naturellement sur le tronc. Enfin, dernier point, mais qui n'est pas des moindres concernant cette clématite Sugar Sweet, c'est son parfum. Elle dégage une forte odeur de miel et de fleurs d'acacia, très agréable lorsque l'on se promène au jardin. L'art taupière consiste à tailler des végétaux avec des formes spécifiques afin de les figer dans des silhouettes qui structurent le jardin. Les plantes les plus utilisées dans cet art ancestral sont les buis comme ici, mais encore les ifs, Taxus baccata, les osmanthus et autres fusains. Les scènes paysagères créées à partir de taupières permettent de figer des décors en toute saison, été comme hiver, en apportant un structurant fort au jardin. Laisser libre cours à votre créativité est un moyen imparable pour personnaliser votre jardin. Ici, une haie de Lonicera. D'un côté, des cônes apparaissent et surplombent la haie, mais de l'autre, des tentacules tentent de vous attraper sur votre passage. La majorité des tailles se fait à la sortie de l'hiver, puis à la sortie de l'été, en évitant les périodes de canicule et de gel. Il est important de désinfecter votre taille-haie ou vos cisailles entre chaque plante avec de l'eau de Javel pour éviter la propagation des champignons et autres parasites ou maladies d'une plante à l'autre. Dans mon jardin, j'utilise des taupières de toute taille en répétition et alignement comme ici pour ponctuer une entrée, en masse au sein d'un carré de gravier. Et je les utilise pour venir en opposition au grand décor qui est chez nous le bocage dormant et qui provoque un bouillonnement en arrière-plan de ces végétaux maîtrisés.
J'espère que ce troisième numéro de Nature et Jardin vous a plu. Retrouvez-nous sur nos pages Instagram et Facebook, Domaine Albizia, Le Rêve de Pan.